Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai décidé de vous partager ma routine capillaire. Donc, qu'est-ce que je fais à mes cheveux quand je les lave, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et donc, c'est parti. Alors, première chose, je les mouille. Voilà, logiquement. Et ensuite, donc, j'utilise du shampoing. Logiquement aussi. J'ai deux shampoings. Un que j'aime bien. Rien que j'aime moins. Celui que j'aime moins, c'est celui-ci. Donc, c'est le label shampoing extra doux à l'argile et au citron vert. Cheveux normaux à gras de chez Intermarché. Alors, c'est pas le fait que c'est de la marque Intermarché ou quoi, pas du tout. Parce que chez Leclerc, il y a des shampoings que je prends qui sont pareils de la marque Leclerc et qui me vont parfaitement. C'est que ce shampoing, je ne sais pas s'il y a un ingrédient ou quelque chose dans sa composition, mais il y a quelque chose qui ne va pas, enfin en tout cas qui ne va pas à mon cuir chevelu. Donc j'essaie de l'utiliser quand même, mais voilà. Après le bouchon, il s'est cassé, donc ça c'est pas bien grave, mais bon, voilà. Pour le premier shampoing, et j'alterne avec, ou quand lui je ne veux vraiment plus l'utiliser, que je veux faire une pause, j'utilise celui de chez Desange. Argile douce, shampoing régulateur, pointe, racine grasse, pointe sèche. Si j'inverse les mots, ça va pas le faire. Purifie les racines, adoucit les pointes sèches. Donc, voilà. Celui-là, je l'aime bien. Je l'utilise pas souvent. C'est-à-dire que si là, quand je vais le finir, pendant 2, 3, 4 mois, plusieurs mois, je peux ne pas le racheter et d'un coup le racheter. Ça fait du bien à mes cheveux. Et honnêtement, je ne pourrais pas m'en passer. Après, comme je vous disais, je ne l'achète pas tous les mois. Une fois qu'il est fini, je peux rester plusieurs mois sans m'en servir parce que je sais que quand je vais m'en servir, il va faire du bien à mes cheveux. Donc c'est pour ça. Je veux pas que mes cheveux s'habituent trop à l'avoir souvent. Donc voilà. Bref. Et il y en a un autre que j'utilise mais que je n'ai pas là parce que j'ai oublié de le racheter. Tout simplement. C'est le shampoing Dope à la pomme. Je l'adore ce shampoing. Franchement, le shampoing Dope et celui-là, c'est clairement mes deux shampoings préférés. Donc, voilà, tout simplement. Donc, j'ai les cheveux mouillés, je mets mon shampoing et j'utilise ceci pour mousser tout ça. Donc, je fais toujours, et ça, c'est ce que je fais moi en tout cas. Donc, je fais déjà comme ça avec, avec mes mains en frottant, bien sûr. Bien derrière les oreilles, derrière la nuque, là, de partout. Et ensuite, je prends ça et je fais comme ça dans mes cheveux. Alors déjà, ça fait un massage parce que c'est... Enfin, pour moi, je ne sais pas si vous avez testé déjà ça. Je l'avais trouvé chez Action, d'ailleurs, s'il y en a qui s'intéressent. Il est super bien parce qu'en même temps, ça fait un petit massage. Voilà, vous pouvez le passer même en dessous du crâne, etc. Moi, je l'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux, clairement. Et voilà, et après je rince et ça, et ce qui est cool, c'est ce que je vous dis, c'est que ça fait un massage. Donc ça détend. Vous voyez, même là je le fais, j'appuie pas comme si j'avais mon shampoing, mais ça fait du bien. Et voilà, enfin bref. J'utilise cette petite chose du coup pour mes cheveux. Ensuite, je rince. Voilà, logiquement logique. Je rince et ensuite j'alterne entre deux produits. Alors, j'alterne soit entre ce produit-là que je vous en ai déjà parlé et l'autre fois que je suis descendue voir ma mère, j'en ai retrouvé donc j'en ai pris un. C'est le Amalif Hair Care. C'est un après-shampoing, voilà, tout simplement, on va faire comme ça. Un après-shampoing à la kératine que j'utilise en alternance avec l'autre que je vous montrerai juste après. Mais il est juste trop bien. Là, pour vous dire, j'en suis à celui-là. J'en suis par là, là, en fait. J'en suis vraiment au fond, au fond, au fond. Et voilà, tout simplement. Donc je l'adore, il a une bonne contenance, 1000 millilitres. Donc ce qui est plutôt bien, il me fait généralement très longtemps. Là, il me fait encore plus longtemps vu que j'alterne avec l'autre. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et du coup, en ce moment, je teste ceci de chez Garnier. Donc c'est le Ultra Doux Masque Remède Nourrissant, 1 minute, cheveux secs, sensibilisé. Donc voilà, c'est un peu... Tout simple comme ça. Hop.
J'aime beaucoup l'odeur. Franchement, il n'en faut pas beaucoup pour. Pour qu'il fasse ce qu'il a à faire, quoi. Donc. Voilà. Donc, de toute façon, je vous en reparlerai bientôt dans d'autres vidéos qui sont prévues. Donc. Je l'aime beaucoup. Donc, je laisse poser 1 minute pour celui-là. Et celui-là, pareil, je vais se poser un petit peu. Eux, ils conseillent. Alors, je vois plus rien. C'est. Je crois qu'il est. Ouais, 2-3 minutes. Pareil, 2-3 minutes, je laisse poser. Et en attendant, je me fais le reste du corps pendant que ces deux petites choses posent. Enfin, quand je les utilise, vu que je les utilise pas en même temps. J'en profite, je me lave le corps, etc. Gommage. Bref, voilà, je rince tout. J'essore délicatement mes cheveux. Et ensuite, avant de les brosser, j'utilise ceci. Donc ceci c'est de chez Evolyderm, kératine liquide sans rinçage, répare, illumine, revitalise, booste la brillance, toucher soyeux. Bref, voilà, je sèche mes cheveux, ça de partout. Et je laisse un peu agir et je brosse mes cheveux et voilà. Mais généralement, après ces deux choses, je n'ai pas besoin de démêler. Mes cheveux se démêlent tout seul. En fait, je passe la brosse comme si mes cheveux n'étaient pas emmêlés. C'est génial. Et ça, du coup, j'utilise après la douche. Et ça m'arrive, comme là, je l'ai fait ce matin. J'empile partout sur mes cheveux. Enfin, après sur mon visage, sur mes cheveux. Puis voilà. Je laisse 5 minutes. Je mets ma crème, mon sérum. Bref. Je brosse mes cheveux. Et c'est nickel. Et ils sentent bon. Ça leur fait un peu du bien. Et voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.